Salut. Bienvenue sur notre chaîne. Les hémorroïdes sont des veines dilatées qui se forment dans l'anus ou le rectum, du coup les veines de la région anale se gonflent légèrement au moment de la défécation. Mais contrairement aux veines normales, les hémorroïdes restent dilatées en permanence. Les symptômes sont occasionnels et facilement reconnaissables. Des démangeaisons près de l'anus, un inconfort en position assise et des saignements lorsqu'on va à la selle. Habituellement, une crise d'hémorroïdes dure quelques jours, puis les symptômes se résorbent. Je vous propose une combinaison de trois traitements pour traiter le mal. 1. Une tisane à boire matin, midi et soir. 2. Un bain de siège matin et soir. 3. Une pommade naturelle. Tous les produits pour le traitement sont à la portée de tous et ne coûtent pas cher. 1. Recette de la tisane. Recette 1. Il vous faut 20 petites colas ou garcinia cola, 2 oignons de préférence l'oignon rouge et 3 litres d'eau. Préparation. Broyez les petites colas, découpez les oignons et les mettre dans une marmite et rajoutez les 3 litres d'eau. Faire bouillir pendant 15 minutes. Laissez reposer avant de consommer tiède. Mode d'emploi. Prendre un verre matin, midi et soir jusqu'à guérison complète. Recette 2. Il vous faut 6 gousses d'ail, des feuilles et écorces du manguier, frais ou sec, et 4 litres d'eau. Préparation. Ne pas éplucher l'ail, aplatir les gousses d'ail avec le dos d'un couteau, laver les feuilles et l'écorce de manguier et mettre le tout dans une marmite avec les 3 litres d'eau et faire bouillir pendant 20 minutes. Laissez reposer et boire tiède. Mode d'emploi, boire un verre matin et soir pendant 2 semaines. 2. Le bain de siège. Un bain de siège est une technique qui consiste à tremper ses fesses dans l'eau pendant une durée déterminée pour lutter contre les symptômes liés à une crise d'hémorroïdes. Pour faire votre bain de siège, il faut mettre dans une bassine 10 à 20 cm de tisane de feuilles de manguier plus l'écorce plus l'ail. Asseyez-vous dessus en laissant les jambes à l'extérieur. Tenez si possible les genoux légèrement relevés. Installez-vous le plus confortablement possible tout de même, le but étant avant tout de vous soulager. Il est conseillé de prendre entre 2 à 4 bains de siège par jour, de prendre un bain de siège au moins 1h30 après un repas et si possible après un passage aux toilettes. Chaque bain de siège peut durer entre 5 et 15 minutes. Au-delà de 4 bains par jour ou des bains de siège trop longs, vous risquez d'ajouter des problèmes de peau à vos hémorroïdes, donc n'en abusez pas. 3. Recette de la pommade anti-hémorroïde. Épluchez et écrasez 3 gousses d'ail et mélangez la pâte d'ail avec du beurre de karité ou de l'huile de palme. Vous pouvez utiliser cette pommade sur la zone touchée autant de fois que vous ferez votre bain de siège. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner pour plus de vidéos.